Salut à tous, c'est Cubic et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des hand spinners, ces petits objets qui servent à se relaxer en cours quand vous vous ennuyez, vous pouvez les faire tourner, voilà. Alors à quoi ça sert? Ça ne sert à rien, voilà, juste comme ça. Pour un objet satisfaisant, voilà. Personnellement j'en ai deux, voilà. Donc un comme ça, plein de couleurs différentes. Et un rouge avec un truc du milieu jaune et rouge. Et les hélices vertes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu. Je vais vous présenter les hand spinners. Dans une prochaine vidéo, je vais faire par exemple le tour du monde et tout ça. Les figures, quoi. Ce serait une petite série comme ça. Alors, déjà, vous pouvez enlever les trucs du milieu, voilà. Donc, d'abord, je vais vous montrer les deux bien précisément. Celui-là, il a des hélices qui s'enlèvent pas, donc du coup, on peut pas enlever les trucs noirs que vous voyez. Donc, pour ouvrir, déjà, vous pouvez utiliser des objets fins pour enlever les trucs jaunes que j'ai là, en exemple. Donc je vais faire une petite coupure le temps que j'enlève. Voilà, donc j'en ai enlevé un. Enfin, juste un côté. Voilà. Et dès que vous avez enlevé un côté, et ensuite pour enlever l'autre côté, il suffit de prendre un crayon et puis de mettre comme ça et de pousser. Et ça sort. Voilà la pièce de plus près, je la montre. Le roulement à billes qui permet de tourner. Voilà, donc on est pour tourner, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Voilà, donc après c'est facile de remettre hein. Comme ça. Tac, clic. Tac. Et voilà. Et ça tombe comme avant. Donc après il y a le deuxième, donc je vais le démonter aussi. Donc cette fois je vais vous montrer comment je monte. Alors déjà vous glissez votre truc fin entre le hand spinner et le truc du milieu. Je sais pas comment ça s'appelle, du coup je vais appeler comme ça. Hop là. Et normalement ça se déclipse facilement. Au début de la première fois que vous le faites, c'est un petit peu dur à enlever. Mais après, au fur et à mesure, ça sera plus facile à enlever. Voilà. Donc ensuite, la technique du crayon. Tac. Et c'est bon. Voilà. Donc il a un roulement pareil. Hein. Tous les roulements des hand spinners, ils sont pareils. Voilà, donc c'est pas pareil à démonter. Pour remettre, c'est pareil dans tous les hand spinners. Voilà. Tac. J'ai tout remonté. Maintenant, je vais parler du prix. Alors, normalement, celui-là, je l'ai acheté à 5,90€. Voilà, j'ai la boîte. Si vous voulez. Voilà. Et l'autre, voilà, celui-là. Il coûtait 7,90€. Ça va. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et la partager. Voilà. Merci.